Coucou tout le monde, nous sommes lundi, nouveau début de semaine et du coup nouveau vlog. On commence cette semaine avec une lecture commune que j'organise du tome 1 de La Villa aux étoffes d'Anne Jacobs. On est une petite dizaine à s'être calés sur cette lecture commune. Comme quoi, il y a encore des lecteurs et des lectrices qui n'ont pas encore lu cette saga. En fait, La Villa aux étoffes, ça fait partie des sagas comme la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley. Où j'ai mis un peu de temps en fait à me coller dessus parce que j'en ai beaucoup entendu parler. Je sais, quand j'entends beaucoup parler d'un livre ou d'une saga, ça a plutôt tendance à me rebuter. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais voilà, par exemple, Blackwater, je l'ai commencé que très récemment, alors qu'on en parle quand même maintenant depuis de nombreuses semaines. Mais quand même, Blackwater, j'ai mis un peu moins de temps à m'y coller que celle-ci. Parce qu'il me semble que le tome 1, là, chez Charleston, il date de quand? Oh, 2020... Non. Non, la saga est sortie en 2014, publiée chez Charleston en 2020. C'est possible, ça? 2020, c'est-à-dire qu'en 2 ans, Charleston a édité presque tous les tomes. Bon, bref. On est parti sur 6 chapitres par jour, ce qui devrait clairement le faire. Et je pense déborder un peu parce que clairement, 6 chapitres, les chapitres sont courts. Là, typiquement, aujourd'hui, je suis censée lire ça, ce qui, je pense clairement, va être vite lu. Mais en même temps, je suis toujours aussi dans ma lecture de La Librairie de la Seconde Chance de J.K. Fraser. Je ne sais pas pourquoi je prends cet accent à chaque fois que je parle de cette autrice. Bref, il me reste... ouais, j'en suis un peu plus de... un peu plus de la moitié, j'ai pas trop lu ce week-end, en fait j'ai été pas mal interrompue et j'avoue que j'avais du mal à rester en place, donc j'ouvrais le livre, je lisais 2 pages, puis je me disais ah tiens, faut que, je sais pas, j'allais étendre les cibles, ah tiens, je ferais bien un gâteau, oh tiens, donc du coup j'avais du mal à me caler un temps de lecture long. J'espère que je vais pouvoir me caler ça aujourd'hui, mais en même temps, aujourd'hui mon objectif est aussi de terminer l'épisode, enfin le dernier épisode de la saison 4 de Stranger Things, puisqu'on a commencé hier à regarder avec mon chéri, on a regardé du coup, parce qu'il y a 2 épisodes, je sais pas si vous avez suivi, si vous regardez, mais en gros il y a 2 épisodes, le premier dure 1h20, le second il dure 2h20, enfin le dernier, donc l'avant-dernier, le dernier, on a regardé l'avant-dernier, et le dernier au bout d'un moment en fait, je à minuit et demi, 1h du match, franchement je tombais, du coup je suis allée me coucher, je lui ai dit non mais vas-y regarde, regarde-toi la fin et puis moi demain depuis la maison je regarderai la fin de l'épisode. Du coup voilà, il se passe plein de trucs, j'avais trop envie qu'il me raconte et en même temps pas, enfin voilà, donc bref je vais me caler là-dessus, il doit me rester 40 minutes mais bon ça va pas non plus m'occuper toute ma journée. Donc voilà, donc 2 lectures en cours et après comme en fait j'ai calculé ça allait être nous poursuivre là sur 9 jours cette lecture commune de La Villa aux étoffes. J'ai très envie en parallèle, quand j'aurai fini La Librairie de la Seconde Chance, de lire cette petite chose de Delphine Giraud, Les couleurs du silence, édité chez Fleuve. Puisque une partie, enfin une grande partie j'imagine, puisqu'il les fait mention dans le résumé, se passe à Saumur. Saumur c'est en Anjou, pas très loin d'Angers. C'est une région qu'on connaît très bien avec mon chéri. Moi j'y ai fait mes études, lui il y a vécu, on y retourne très souvent, enfin toute notre famille est là-bas. Donc du coup j'ai très envie de me plonger là-dedans. Et voilà un petit peu pour le programme. Je pense que je vais vous faire, parce que là du coup je vous prends sur un plan dont vous n'avez pas, oula, Laura refait ta phrase. Là je vous prends sur un plat, un plan, oh là là, et je pense vraiment qu'il faut que j'arrête là, cette petite introduction de vidéo, bref. D'habitude, ce fond n'est pas celui-ci. Vous êtes plutôt sur l'autre bibliothèque. Et du coup, ça m'a fait penser que je ne vous avais pas fait un petit peu de présentation de comment j'avais rangé ma bibliothèque, puisque je l'ai rangée récemment. Et au moment où je voulais vous montrer un peu comment j'avais tout réorganisé, et ben la luminosité n'était pas ouf. Bon, aujourd'hui, c'est pas tip-top, mais c'est quand même mieux que la semaine dernière. Donc je pense que je vais faire ça. J'ai passé une commande hier sur Book Off puisque c'est Alexia du compte My Book Vision. Ouais, je crois que c'était Alexia qui
a fait une story en disant qu'elle avait craqué sur le site internet de Book Off. Je ne savais même pas qu'il y avait un site internet. Du coup, forcément, qu'est-ce que j'ai fait? J'y suis allée. Et mon panier s'est rempli de 4 livres. Donc, dès que je reçois, je vous fais un petit unboxing de ces livres. Voilà, un petit peu pour les petites news de début de semaine. J'aimerais bien faire 2-3 photos aussi. J'aimerais bien tourner un petit réel parce que ça fait longtemps. Faut juste que voilà, je reprenne ma liste d'idées. Puis voilà, la journée va passer comme ça, tranquillement, tranquillement, mais sûrement. En tout cas, je vous souhaite un très bon début de semaine et je vous reprends plus tard. Je vous reprends plus tard, oui et non. Je vous montre rapidement, en fait, le rangement de ma bibliothèque. Là, du coup, tout là-haut, j'ai mis tous mes brochettes. D'ailleurs, si jamais vous voyez des titres qui vous intéressent, parce que ça, typiquement, ce sont des livres qui font partie de ma pile à lire. Une partie, pas tous. Et en fait, j'ai choisi de mettre, je vous montre, tous mes services presse qui sont en bas. Ça, c'est les services presse que j'ai reçus récemment et qu'il faut vraiment que je lise. Je les ai même pas comptés. Je pense qu'il doit y en avoir une bonne quarantaine. Mais ça, c'est qu'une partie de ma pile. En fait, c'est la partie service presse de ma pile et je les ai mis de côté en me disant, bah voilà, là vraiment, cela c'est à lire en priorité parce que le reste de ma pile, c'est des livres que j'ai achetés ou qu'on m'a offerts. Donc voilà un petit peu toute la pile. Si jamais vous voyez des livres qui vous intéressent et que vous avez envie qu'on lise en commun, surtout n'hésitez pas. J'en ai pas mal derrière aussi. Enfin bref, une pile quoi, une pile bien pleine. Enfin bref, voilà. La pile service presse. Et après, en fait, le reste de ma pile, je me voyais pas faire une autre pile classée par maison d'édition, des livres que j'avais achetés. Du coup, moi, je sais ce que j'ai lu et pas lu. Typiquement, là, je sais que Le Tatoueur, je l'ai pas lu, mais je l'ai mis ici parce que je voulais caler les j'ai lus ensemble. Là, pareil, je sais qu'il y en a certains que j'ai lus et d'autres que je n'ai pas lus. Typiquement, celui-ci, je l'ai pas lu, celui-ci, je l'ai pas lu. Ah, d'ailleurs, celui-ci, c'est un service presse. Faudrait que je le mette avec les autres. Voilà. Ah, bah, celui-ci aussi. Ok, en fait, je retrie ma bibliothèque avec vous. Du coup, c'est super. Là, bien entendu, j'ai mis tous les Charleston avec le tome 7. Ouh, je me suis relevée trop vite. Voilà, tous mes petits Charleston. Là, c'est plus du policier thriller. Voilà, ça, c'est un livre de mon mec. Vivre avec un accompagnateur moyenne montagne à la découverte des fleurs des Alpes. Livre très intéressant, somme toute. Voilà, et puis en haut, toujours des brochets. Et si on passe à côté, pareil, on a du brochet aussi. Là, beaucoup de pales. Là, je me suis enfin décidée à mettre sur deux rangées, chose que je ne faisais pas avant. Et j'ai mis devant, donc là, c'est tous les livres de poche, et j'ai mis devant ceux que j'ai beaucoup appréciés. Bah, typiquement, Mélissa d'Acosta, Valérie Perrin, et certains que je n'ai pas lus. Typiquement, celui-ci, je ne l'ai pas lu, celui-ci, je ne l'ai pas lu, celui-ci, je ne l'ai pas encore lu. Enfin, il y en a plein que j'ai pas lu. Et derrière, j'ai la saga des 7 sœurs. Enfin, j'ai des livres de poche. Voilà, que j'avais pas forcément envie de mettre devant. Dessous, les petits folios. Bon, alors chez Folio, on a beaucoup de Kerouac, on a beaucoup de Rick Bass, Sylvain Tesson, Hemingway. Enfin, surtout beaucoup de Kerouac, en fait, en vrai. Les petits Dicker. Voilà, que j'ai pas encore lu, qui font d'ailleurs partie de ma balle. Enfin, non, celui-ci, je l'ai pas lu. Celui-ci, je l'ai pas lu. Celui-ci, je l'ai lu. Celui-ci, je l'ai pas lu. D'ailleurs, dites-moi, lequel faudrait que je lise après? Voilà, je suis un peu perdue, je vous avoue, chez les Dicker, dans l'ordre des livres. Là, on a Archipel, Harper Collins, tous les Charleston, ma saga, Fétiche, chez Hugo Poche, des McCoy. Et derrière, qu'est-ce que j'ai calé derrière? Du Pocket. J'ai calé du pocket derrière, là aussi je crois, j'en ai pas mal des pockets, ouais. Beaucoup de livres de voyage derrière. Et là, on a les éditions Point, 10-18, Gallimester. Et là, j'ai calé un peu plus les graphiques. Beaux livres,
etc., etc. Voilà. Sachant que, bon, je vous montre pas les vinyles parce que alors là, on s'en sort plus, hein, entre les Bob Dylan, les Patti Smith, les Django Reinhardt, enfin bref. Du coup, voilà un petit peu pour la présentation de la bibliothèque, sachant que on est en train de réaménager l'appartement, que le bureau est devenu du coup une chambre, que du coup on va s'installer un coin bureau dans notre chambre à nous, et que du coup forcément je lorgne clairement sur les étagères T-Books pour en mettre dans la chambre, puisqu'il y avait quand même quelques livres qu'on avait calés dans le bureau mais qui n'est plus bureau. Enfin bref, je sais pas si vous suivez, mais gros réaménagement. Voilà pour ça. Bon allez, je vous laisse, je retourne à mes lectures et je vous reprends plus tard. Bien le bonjour, nous sommes mardi aujourd'hui, deuxième jour de la semaine. On a fait un live tout à l'heure avec Marie de Lucioles in Books à 12h30. C'était bien chouette, maman ne pouvait pas être avec nous parce que déjà de base, elle devait travailler. Mais que dans un second temps, elle a chopé le Covid. Donc dans tous les cas, on ne pouvait pas avoir notre chère maman avec nous. Mais ça ne nous a pas empêché de passer un super moment. C'est d'ailleurs plutôt bien marré. Fanny, elle bouquine si jamais tu passes par là. Voilà, ça nous a valu un bon fou rire sur la question à Outlander et la question de bah, la saison 1 quand même. Il y a un côté bestial et sexuel assez prononcé qui du coup n'a pas forcément permis à Fanny d'adhérer à la série. Enfin bref, je vous passe les détails, le live est disponible sur le profil de Marie Lucioles in Books, Lucioles in Books. Donc si vous voulez aller revoir le vlog et vous marrer avec nous, puis j'ai aussi fait une petite bourde où on parlait de nos années de naissance, et donc quelqu'un, je ne sais plus qui, a commenté 83, et moi dans ma tête ça fait année de naissance, âge. Et du coup, me voilà à dire en live, oh là là, ben disons, on a des abonnés de 83 ans, ça fait plaisir et tout, il y a plein de tranches d'âge. Non, Laura, elle est née en 83, elle n'a pas 83 ans. Bref, voilà, hors contexte, hein, vous devez vous dire, non mais c'est absolument pas drôle, mais en fait dans le contexte, c'était quand même assez drôle. Bref, mais il n'y a que moi pour faire ce genre de bourde. Je reviens aujourd'hui avec une lecture terminée, La librairie de la seconde chance de Jackie Fraser, édité chez HarperCollins. Alors, que j'ai terminé hier. Alors, autant le côté Écosse, forcément, me plaisait. Autant le côté Théa, la quarantaine, séparée de son mec qui débarque en Écosse parce qu'elle a hérité d'un très beau cottage sur le domaine de Charles, un lord écossais, et que du coup elle a plus de job, et que du coup en même temps elle hérite d'une collection de livres anciens, et que du coup elle rencontre Édouard, le libraire du village, qui n'est autre que le frère de Charles, le lord, sur lequel elle a du coup le domaine, la maison. Et que du coup, elle demande à Édouard, le libraire, si elle peut pas lui vendre certains livres de la collection pour se faire des ronds. Bref, je sais pas si vous avez suivi, mais jusque-là, tout allait bien. Et puis, plus l'histoire passe, et plus quand même, je me dis, aïe, 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 la traduction, mon Dieu, la traduction, c'est... En fait, c'est comme si le traducteur ou la traductrice avait fait du mot à mot, j'exagère peut-être, mais quasi, et que du coup il y a des phrases où vraiment j'avais envie de prendre mon crayon et de réécrire la phrase et de relire la page avec la phrase réécrite. Et il y a un moment, il y a tout un passage où il y a le fameux seigneur. Alors j'aimerais bien savoir comment
dans l'original, comment c'est écrit, genre non mais Seigneur, t'as pas fait ça, non mais Seigneur, ah oh, mais Seigneur, tu lui as pas dit ça, non mais Seigneur, t'es complètement con, enfin vous voyez un peu l'expression, enfin dans quel type de phrase est utilisé ce mot Seigneur. Sauf que du coup sur 20 pages, il y a du Seigneur à toutes les sauces. Moi je me dis, non, mais je sais pas, quand même la langue française, on peut employer d'autres mots peut-être que juste ce mot-là à chaque fois. Et il y a des moments, il y a des dialogues où je n'arrivais plus à certains moments. Dialogue, donc il n'y avait que deux personnes importantes. Donc en soi, une fois qu'on a repéré la personne qui parle en premier, bah le second tiré c'est la seconde et ainsi de suite quoi. Et sauf que là il y a des moments où je me disais, non mais attends, c'est pas possible que ce soit elle qui parle là. Si. Attends. Non. Puis du coup, il y avait ou une indication de pronom ou une indication grammaticale qui me faisait dire que c'était le personnage masculin ou le personnage féminin. Mais il y a des moments où je buguais. Et du coup, ça a un peu entaché ma lecture, je dois bien vous avouer. Donc c'est dommage parce que la thématique est cool, voilà, comme je vous le disais, ce nana qui débarque en Écosse, qui hérite d'un cottage, qui rencontre un lord, puis qui comprend que le lord est son frère qui est libraire. Se font la tête, bon bien entendu je vous passe le détail puisque derrière il y a une petite romance, même si clairement c'est absolument pas la thématique principale de ce roman, mais il n'empêche qu'au bout d'un moment, puis même des situations des fois qui arrivent comme un cheveu sur la soupe, qui sont pas introduites avec, bah je sais pas, il manquait du liant, il manquait quelque chose, donc voilà, je dirais que si l'Écosse, le côté librairie, livre ancien, donc faut imaginer une librairie un peu, moi je l'imaginais un peu biscornue, un peu le genre de librairie, le vendeur de baguettes magiques dans Harry Potter, je sais pas si vous voyez, avec des étagères qui craquent, enfin bref, voilà, j'ai vraiment imaginé cette librairie comme ça, donc si vous aimez cette atmosphère, vous passerez forcément un bon moment. J'ai passé un bon moment, mais à certains endroits, j'ai un peu buggé, j'ai un peu bloqué. Donc voilà, malheureusement, mon avis sur du coup la librairie de la seconde chance de Jackie Fraser, édité chez HarperCollins Poche. La Villa aux étoffes, tome 1. J'aime beaucoup, faut dire que j'aime beaucoup, j'en suis là. Il me reste quoi à lire pour aujourd'hui? Il me reste ça à lire pour aujourd'hui, puisque comme je vous le rappelle, je le lis en lecture commune et on s'est calé sur 6 chapitres par jour. Est-ce que je vais un petit peu dépasser? Possible, parce que pour le coup, je suis vraiment, vraiment, vraiment bien dedans. On en parlait avec Marie ce midi, j'aime beaucoup ce côté clin d'œil. Alors je ne sais pas dans l'ordre, hein, Downton Abbey ou La Villa aux étoffes. Je ne sais pas si c'est la série ou si c'est du coup les livres qui sont arrivés en premier. Bon bref, toujours est-il que ça fait beaucoup penser à la série Downton Abbey. Toujours est-il que ça s'arrête là en fait. La référence c'est plus, on part sur le même schéma de il y a une maison qui est plutôt bourgeoise dans La Villa aux étoffes et qui est clairement très 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 aristocratique dans Downton Abbey. Où la famille est beaucoup plus importante, où le domaine est plus important, la maison qui n'est pas une maison mais qui est clairement un château, le personnel est constitué de beaucoup plus de monde également, et là on est plus sur de la bourgeoisie, où voilà, au niveau du personnel vous allez avoir 4-5 personnes, c'est tout, et la famille, il y a le père, la mère et les 3 enfants, voilà, il n'y a pas la grand-mère, il n'y a pas le beau, enfin il n'y a pas... Il n'y a pas la belle-mère, il n'y a pas toutes ces ramifications. Mais voilà, en gros, c'est on va dire le même schéma d'histoire où vous avez en haut de la maison, dans les beaux étages, la famille qui vit et en dessous, vous avez du coup tout le personnel qui gravite et chacun a ses petites histoires. Mais sinon, enfin voilà, au-delà de ça, voilà, il n'y a pas, c'est pas non plus un copier-coller, faut pas non plus exagérer, mais en tout cas, je vous en reparlerai un petit peu plus longuement plus tard, puisque je n'ai lu que 79 pages, mais en tout cas rapidement, il est question de Marie qui sort d'un orphelinat, qui du coup est embauchée dans cette maison en tant qu'aide cuisinière, et au début c'est un petit peu... la souffre-douleur de l'ensemble des domestiques, elle est pas efficace, elle fait pas attention, elle salit tout, elle est pas intelligente, elle est un peu empotée, enfin bref.
Voilà, on tourne un peu autour de cette histoire-là de Marie qui débarque et qui n'est pas forcément super bien introduite dans l'équipe des domestiques. Et au-dessus, donc côté bourgeoisie, il y a les deux sœurs, donc Kitty, Katharina et Elisabeth, qui se disputent les faveurs amoureuses d'un lieutenant, je crois, von quelque chose. Alors, je ne l'ai plus en tête, hein. Si vraiment vous le voulez, je vous le retrouve, mais... Bon, je vais pas vous le retrouver comme ça, sauf si je tombe sur la page, mais bon, vous voyez un petit peu le... Vous voyez un petit peu le principe. Voilà, donc je suis là-dedans et ce matin, j'ai commencé de Delphine Negiro, Les couleurs du silence, édité chez Fleuve Édition, qui est paru le mois dernier, je crois. Je vais vous dire ça... Mais... Non, il y a 2 mois presque, que m'avait proposé de m'envoyer les éditions Fleuve, et j'avais sauté sur l'occasion, puisqu'il est question, enfin surtout par rapport au décor, puisque du coup l'histoire se déroule à Saumur, en bord de Loire. D'ailleurs, dès le début, il est fait mention du château de Saumur, de Montreuil-Bellay également. Enfin, peut-être que vous, ça va pas vous parler, mais moi, il y a une grande partie de ma famille dans le coin, et on rentre, voilà, du côté de Saumur à peu près 2 fois par an. Enfin, voilà, c'est j'adore parce que j'ai les images, quoi, complètement en tête, et j'avais vraiment très envie de voir à quel point l'autrice allait explorer et comment elle allait décrire tout ce paysage de bord de Loire avec les troglodytes, avec... les fameuses fouées qu'à un moment les deux personnages vont potentiellement manger dans les troglodytes, enfin bref, ça me fait vraiment plaisir, j'ai l'impression que mon esprit est là-bas, et pour l'instant je passe une très bonne lecture. Alors, j'ai lu 38 pages, hein, mais pour l'instant franchement j'accroche plutôt pas mal. Voilà, encore une fois je suis essoufflée, donnez-moi de l'oxygène s'il vous plaît. Voilà ce que je voulais vous dire. Là, cet après-midi, il doit être 15h30, donc ça va être assez rapide. L'après-midi, j'ai des photos à faire. Bon, toujours le réel, mais je pense que je vais laisser tomber, je vais le faire demain. J'aimerais dérusher les premières vidéos du vlog 52 pour commencer le montage. J'aimerais continuer à lire. Et j'ai 2-3 colis Vinted à faire de livres que j'ai vendus aussi sur Vinted. Donc voilà, et il faut vraiment... Non mais je vais le faire. Il faut que j'achète le Blackwater, tome 2. J'ai le tome 3 qui m'attend toujours dans mon mondial relais. Je sais pas, hein, psychologiquement ça me... Ah, j'aimerais bien les trouver sur Vinted. Vous savez, quand vous aimez bien acheter d'occasion par principe, par conviction, j'ai du mal à franchir l'étape de j'achète du neuf, quoi. Mais bon, bref, voilà, là, je veux le tome, c'est une galère sans nom pour le trouver d'occasion. Donc, voilà, allons-y, faisons-nous plaisir. Je vais vous laisser là-dessus, et dans tous les cas, je vous reprends plus tard. Et bonjour tout le monde, nous sommes vendredi, je ne vous reprends que maintenant, pour la simple et bonne raison que j'avance tranquillement dans mes 2 lectures parallèles et que je n'ai pas forcément eu beaucoup le temps de vous prendre également, mais aujourd'hui je reviens avec quelques petites choses, notamment toujours mes lectures en cours, mais comme j'ai un peu plus avancé, du coup je vais pouvoir un peu plus vous en parler. Tout d'abord, réception d'une commande que j'ai faite sur Vinted, et il s'agit du tome 3 de la saga Blackwater qui s'appelle La Maison. Bon, comme d'habitude, hein, on remarquera la qualité incroyable de l'édition, qu'encore une fois je trouve absolument magnifique. Alors, comme vous l'avez peut-être suivi, du coup il y a eu un micmac avec le tome 2 où j'ai dû annuler la commande parce que j'ai fait une erreur d'adresse de livraison. Ce qui fait que j'ai annulé la commande et je ne l'ai toujours pas recommandée sur le site de la FNAC, puisque j'ai bon espoir qu'un jour quelqu'un vende le tome 2 de la saga Blackwater. Oula, pardon, de la saga Blackwater. Et comme j'ai d'autres lectures en cours, je ne suis pas non plus, même si j'ai très 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 envie de découvrir la suite, je ne suis pas non plus aux abois, donc je pense que je peux
encore attendre quelques semaines avant du coup de lire le tome de la saga. Après, c'est vrai que j'aurais bien aimé poursuivre la lecture commune avec les filles, puisqu'on a été nombreuses à lire du coup le tome 1 grâce à la lecture commune organisée par Marie du compte Luciole in Books, et que du coup elle organise la lecture du tome 2 en lecture commune avec le même groupe à partir d'aujourd'hui. Sauf que clairement, bon, j'ai déjà deux lectures en cours, donc je vais éviter de trop m'éparpiller non plus, mais du coup, j'ai le tome 3. Voilà, j'ai le 1, le 3 et aucun autre. Donc, je vais peut-être un peu me mettre en quête de tout ça. Donc ça, c'est une réception, mais lecture en cours. J'ai bientôt terminé Les couleurs du silence de Delphine Giraud, édité chez Fleuve. Alors, que dire de cette lecture? Il me reste ça. C'est très, 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 très surprenant. C'est-à-dire qu'au départ, du coup, on suit Lila qui est graphiste et qui s'installe avec Karl, son amoureux, dans une villa près de Saumur. Voilà, tout va bien. Donc moi, je pensais qu'on partait sur un petit feel good avec voilà, peut-être des histoires de famille qui viennent un peu s'immiscer là-dedans. Peut-être une jolie histoire avec elle qui du coup s'installe en tant que graphiste voilà, sur les bords de Loire, et je m'attendais peut-être à ce que soit un peu plus exploré ce contexte un peu géographique absolument magnifique. Et en fait, on part sur, certes, une histoire de famille. Alors, une histoire de famille que je n'avais absolument pas vu venir. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, sans trop vous en dire, c'est que Karl, du coup, qui est le compagnon de Lila, a un frère, Pierre, qui débarque comme ça, un peu de nulle part, qui est ostéopathe. Il y a Charlotte, qui est du coup un peu l'aide à domicile, qui d'ailleurs, moi je pensais au début, donc il y a un fils qui s'appelle Esteban, qui a une dizaine d'années. Moi au début, je pensais que Charlotte, enfin je sais pas, j'imaginais une dame d'un certain âge, une cinquantaine d'années, et au fur et à mesure du roman, on apprend qu'en fait elle a une petite trentaine d'années. Ça m'a plutôt déstabilisée, parce que j'imaginais absolument pas ce personnage comme ça, aussi jeune en tout cas. Et donc du coup, il y a ce Pierre qui débarque, et là commence une histoire un peu mystérieuse entre les deux frères. On sait dès le début qu'ils ne s'entendent clairement pas et que Karl ne veut absolument pas entendre parler de Pierre. On sait dès le début, je précise hein, en vous disant, voilà, je ne vous spoil pas parce que vraiment depuis le début on le sait, que les parents du coup de Karl et de Pierre sont décédés suite à un accident domestique, une intoxication au monoxyde de carbone. Mais voilà, en tout cas, entre le point de départ et ce que ça semblait être et ce que c'est en train de devenir, je suis relativement surprise. Est-ce que je suis surprise en bien ou en mal? Je vous avoue que j'ai un peu du mal à le déterminer, là, en ce moment, à l'heure où je vous parle, même s'il ne me reste pas grand-chose. Mais du coup, peut-être que je reviendrai pour vous faire une espèce d'update conclusion de ce que j'aurais définitivement pensé de ce roman, mais c'est assez... ouais, c'est assez déstabilisant, et compte tenu des situations qui se déroulent entre Karl, son frère Pierre, et Lila, du coup, qui est au milieu de tout ça, parfois je trouve les réactions de Lila un tantinet en décalage avec la réalité. Et voilà, je suis aussi assez surprise de ça. Bref, je vous referai un petit update de conclusion, je pense demain plutôt, ou dimanche, pour conclure en plus le vlog. Donc c'est une bonne lecture, mais plutôt déstabilisante. Voilà, on va dire ça comme ça. Et je suis toujours dans La Villa aux états of Tom 1 d'Anne Jacobs, du coup en lecture commune. Alors j'ai pris un peu de retard. Ces derniers jours ont été un peu compliqués pour moi niveau lecture. J'avais du mal à m'y coller longuement, on va dire. Mais toujours est-il par contre que dès que je me plonge dans La Villa aux états of Tom, clairement j'en quille, parce que bah, j'aime toujours autant. Donc j'en en parlais précédemment, du coup dans le vlog, il n'y a rien de changé au niveau de l'histoire. Hein, histoire voilà, de la bourgeoisie d'un côté, puis du petit personnel de l'autre,
avec toutes les histoires du coup que ça engendre, des histoires de fiançailles, des histoires de balles, des histoires d'argent, des histoires industrielles, des histoires de jalousie, enfin voilà, il y a un petit peu de tout ça, mais j'adhère vraiment et j'accroche beaucoup avec l'univers. J'aime beaucoup ce côté très descriptif où il y a des moments où il se passe pas grand-chose, mais où en tout cas on va décrire les salles, par exemple, de la maison, où on va décrire un peu plus les situations ou les émotions ressenties par les personnages. Il ne se passe pas un truc de dingue à chaque page. Il y a certaines pages qui sont beaucoup plus contemplatives. C'est un peu, si vous voulez, on va dire, la version classique un peu des romans. Genre une petite version un peu Jane Austen où il y a beaucoup de contemplation, ou du Balzac ou du Zola, on va avoir énormément de descriptions, de contemplation, etc. Là il y en a, mais adapté à la sauce contemporaine. Voilà, je sais pas si vous comprendrez ce que je veux dire, mais voilà, c'est un peu la description que j'en ferai. Et du coup, franchement, non, pour le moment, j'accroche vraiment, 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 vraiment bien. Donc je suis plutôt contente de cette lecture. Et j'ai reçu hier, j'ai été contactée par une marque de thé tisane que vous connaissez forcément, qui est la marque 16h24. Et du coup, ils m'ont proposé de m'envoyer un sachet test de leur gamme. Alors moi, je suis très... mais je peux peut-être que j'en avais déjà parlé dans un vlog. J'ai eu des gros soucis d'estomac, j'en ai toujours un peu, en gros j'ai une acidité dans l'estomac qui décolle dès que je bois du café ou dès que je mange quelque chose qu'il ne faut pas. Et du coup, bah forcément, ça fait quelques années que j'ai clairement diminué ma consommation de café. Je ne bois quasi que du déca, ou alors du rooibos, ou alors de la tisane, et de temps en temps je me fais une tasse de thé. Et du coup c'est vrai que ça fait plusieurs mois maintenant que je vois passer cette marque sur les réseaux sociaux, donc 16h24, c'est cette marque-ci. Et du coup c'est vrai quand ils m'ont contacté pour me proposer de m'envoyer un premier sachet de thé, forcément j'ai sauté sur l'occasion, parce que je suis une consommatrice de tisane et de rooibos, mais froid, chaud, matin, midi, soir, je ne peux pas me coucher sans ma tasse de tisane. C'est impossible. C'est pour moi, c'est comme me laver les dents, quoi. C'est vraiment, genre j'en ai besoin, c'est un peu l'étape... ça conclut ma journée, c'est... Enfin voilà, bon bref, je sais pas si vous êtes pareil, mais c'est vraiment... voilà, le repas est terminé et avant de prendre mon bouquin, je me fais une tisane. Là du coup il s'agit de rooibos, dedans il y a du raisin, de la pomme, de l'écorce d'orange, bâton de cannelle, coin, un morceau de citron, bouton de rose jaune, bourbon, vanille. J'ai fait exprès, je l'ai reçu hier, hein, j'avais très envie hier soir de le tester. Je ne l'ai pas ouvert exprès pour du coup vous faire une espèce de petite réaction en live de l'odeur, quoi. Et franchement, rien que déjà à lire la compo... Ah mais ça... Oh là là, j'ai à peine ouvert... Oh, ça a l'air de sentir trop bon. Ah là là, j'ai à peine ouvert le petit bandeau là que déjà j'ai des effluves. Oh la vache. Oh, oh là là. Oh là là, cette odeur. Ah, mais ça sent le gâteau aux pommes. Ça sent le gâteau aux pommes. Oh, ah non, mais alors là, mais c'est comme pour la bougie de la boutique de Fadette. J'aimerais tellement faire ça et vous dire, allez-y, allez-y, sentez. Puis alors, je sais pas si vous verrez, mais on a des... J'adore ça, quand il y a les morceaux. Oh, mais ça, je l'imagine trop aussi bien froid que chaud. Je pense que je vais me faire un rooibos frais, là. Oh, cette odeur. Eh pardon, vous allez vous dire, elle en fait des caisses, mais vraiment, j'en fais pas des caisses. Hein. Je mets le nez, c'est genre... je sais pas, j'ai l'impression d'avoir des souvenirs qui me remontent de... Ouais, vous savez, le gâteau moelleux à la pomme dans lequel, bah ouais, vous avez mis du sucre vanillé, vous avez mis de la cannelle, enfin... Le gâteau, vous le faites, vous êtes trop content, mais sauf qu'il vous fait 2 jours, quoi, tellement il est bon.
Oh non, mais là, je vais aller m'en faire une directe. Oh, ça sent tellement bon. Donc, je rappelle, il y a donc ces rooibos, raisin, pomme, écorce d'orange, bâton de cannelle, coin, morceau de citron, bouton de rose, jaune, bourbon vanille. Et c'est vrai que c'est plutôt des odeurs qui, pour moi, me font penser à l'automne. Mais là, clairement, fraîche, ça va être une tuerie. Je vais aller faire ça tout de suite et je vous en redonne des nouvelles. Et par la même occasion, j'essaierai de vous donner quelques petites infos aussi sur 16h24 parce que c'est pas juste une marque de thé, tisane, rooibos, etc. Ils ont un certain engagement. Je suis trop contente en fait de découvrir. Je suis trop contente de découvrir la marque. Je sais pas si vous connaissez, mais j'imagine que vous devez connaître parce que c'est vrai qu'on l'a souvent vu circuler sur les réseaux. Mais ah là là, c'est un truc de dingue. Cette odeur, c'est un truc de dingo. Voilà. Bon, écoutez, j'ai soif en plus. Il fait chaud. Je vais direct aller. Bon, malheureusement, je vais devoir attendre un petit peu avant que ça refroidisse. Mais je vais de ce pas aller me faire une rooibos comme ça fraîche. Oh là, ça va être une tuerie. Bref. Allez, je vous laisse et puis je vais reprendre ma lecture de Delphine Giraud et essayer de la terminer. Et bonjour tout le monde, nous sommes samedi aujourd'hui, dernière journée de la semaine, en tout cas pour ce vlog, puisque je vais le clôturer maintenant. Je pense que je n'aurai pas le temps du tout demain de filmer, j'aurai le montage à faire, donc je préfère... Oh, je suis de nouveau essoufflée. Est-ce que ça s'arrêtera un jour? Oui, a priori, bientôt. Et pour le moment... Oh, dire une phrase, c'est un peu compliqué, bref. Du coup, j'ai clôturé le vlog maintenant, puisque demain, je finaliserai le montage et tout ce qui y va avec. Mais je voulais revenir aujourd'hui avec, du coup, la lecture terminée de... Alors, attendez, je le prends. De Delphine Giraud, Les couleurs du silence. Que j'ai terminé du coup hier soir. Je vais pas vous en dire plus parce que c'est vrai que j'en ai déjà beaucoup dit hier. Mon avis n'a pas changé. J'en ai parlé hier, j'ai fait un post sur Instagram et en gros ce que je disais c'est que pour ma part en tout cas ce roman était relativement surprenant puisque je ne m'attendais absolument pas à ce revirement de situation ou en tout cas être dans une thématique de secret de famille à ce point mystérieux, à ce point tragique, à ce point... J'ai employé le terme d'acide dans mon post Instagram et c'est un peu ça, vous savez, ce genre de secret de famille qui ronge, qui rend colérique, qui rend un peu aigri, qui rend mal quoi, en gros je décrirais bien ça comme ça. Et du coup, j'ai été assez surprise puisque dès le départ, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, en tout cas pas à ce niveau-là. Donc encore une fois, même si j'ai fini la lecture, j'ai du mal à dire si j'ai aimé ou pas. Je suis méga sceptique en fait. Si vous l'avez lu, dites-moi, et si vous avez lu le précédent roman de Delphine Giraud, qui était, donc il y a 6 ans à t'attendre et Doucement renaît le jour. Dites-moi si du coup on retrouve un peu ce phénomène dans ces autres romans de on part sur quelque chose qui a l'air somme toute plutôt feel good, plutôt posé, plutôt cool, pour se transformer en quelque chose de beaucoup plus noir, ouais, beaucoup plus tragique. Voilà, pour mon avis sur la question, qui n'en est pas vraiment un en fait. Je peux que vous décrire ce que j'ai ressenti à la lecture, mais encore une fois, c'est très dur pour moi de vous dire si j'ai aimé ou pas. Attendez, hop. C'est le rooibos glacé que j'ai fait hier. Une tuerie de nouveau, 16h24, merci.
J'ai encore envie d'en boire. Attendez, je fais vite. Ah, c'est trop bon, ça fait du bien. Alors, toujours la lecture hein, de la Villa aux étoffes, chapitre 18. J'espère un peu plus continuer ce week-end et début de semaine. Mais c'est surtout que, comme j'ai terminé les couleurs du silence, et qu'on s'était dit avec Manon, les lectures de Manon, qu'on commencerait ensemble le Julien Rampin, le dernier Julien Rampin, le magasin des jouets cassés, édité chez Charleston. D'ailleurs, je fais beaucoup de Charleston en ce moment. Enfin, je fais beaucoup. La Villa aux étoffes et du coup celui-ci sont tous les deux édités chez Charleston. C'est le dernier roman de Julien Rampin. J'avais lu Grandir un peu, son précédent roman. Et du coup, je n'ai pas lu celui-ci, qui n'est pas très, très, très long. 243 pages. Donc, je pense qu'avec Manon, nous allons en faire une seule bouchée. J'aime beaucoup la couverture. Je vous relis le petit résumé. Le magasin des jouets cassés. Un immeuble parisien, comme beaucoup d'autres, avec son ascenseur étroit, ses balcons minuscules et sa cour où se croisent les habitants. C'est l'endroit que Lola a choisi pour prendre un nouveau départ après son divorce avec son fils de 6 ans, Léon. Ici vit Martine, dont l'appartement en rez-de-chaussée lui permet d'assouvir sa curiosité en épiant la vie des autres, mais aussi Paul-Henri, un vieux monsieur à l'éternel nœud papillon, qui partage sa passion pour la littérature avec ses voisins et ses abonnés sur les réseaux sociaux. En apprenant à les connaître, Lola va malgré elle faire voler en éclats des décennies de secrets et de mensonges qui pourraient bien changer sa propre vie. Cool. Et les avis sont très bons. Les avis sont excellents. Trop bien, j'avais eu le petit, marque-page qui va avec. Donc on va commencer ça dimanche, puisque là Manon lit aujourd'hui et me dit qu'elle pense le finir dimanche ainsi j'ai les bulles de savon de Marie Vareille et du coup on commence dimanche celui-ci, donc ce qui veut dire que début de semaine prochaine j'aurai potentiellement celui-ci, la Villa aux étoffes et le 16, mais le 16 c'est pas tout de suite, c'est qu'à la fin de la semaine, lecture commune avec Manon et plein d'autres sur Vindicta de Cédric Cyr. Merci Laura. Voilà pour ça, je vous laisse ici, sauf si je me rends compte que j'ai des réceptions ce midi, à ce moment-là je vous reprendrai rapido pour faire un petit unboxing, mais sinon je vous dis à la semaine prochaine comme d'habitude pour un nouveau vlog et je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine à venir.